Merci aux organisateurs et à Gérard de m'avoir invité et de donner l'occasion de vous parler de l'archive ouverte. Je suis content qu'il reste encore quelques personnes dans la salle. On est un peu les dernières personnes, Gérard et moi, entre l'apéritif hein, et ce que vous devez subir. Donc, j'aimerais commencer déjà pour corriger un petit truc dans le programme. Vous avez vu archive ouverte, c'est marqué au pluriel. Archive ouverte, vous voyez, ça c'est la vraie graphie. Même si Word vous propose de mettre un S à archive, ce qui est juste en français, nous on est l'archive ouverte, donc c'est un acronyme. Ça fait 10 ans que je me bats pour enlever les S et je pense qu'on a un problème avec ça, mais c'est pas trop bien grave. Vous savez certainement que quand une publication ou un article est écrit, le titre est écrit sous forme d'une question. C'est que l'auteur, en fait, il va vous dire oui tout au long de ça. Donc, est-ce que la fumée passive est mauvaise pour une personne? Vous n'avez pas besoin de lire l'article, vous savez que c'est oui. Alors là, j'ai quand même un problème, parce que comment mesurer l'open access ou les progrès de l'open access, c'est une question, et je ne peux pas juste répondre oui. Donc, et c'est relativement délibéré, parce que j'ai un certain nombre de problèmes où je n'ai pas de solution, et j'espère vous les présenter ici, les problèmes, et que vous, vous allez me donner la solution tout à l'heure à l'apéritif. Là, je profite de mettre quelques chiffres. Donc, nous, on se situe un petit peu entre Liège et Lausanne. Il est parti, le vice-recteur, j'y crois pas. Je voulais justement lui... C'est enregistré. Monsieur Bussy, je vous parle. Donc, on a démarré en 2008, donc un tout petit peu après Lausanne. Jeannette est quand même là. Je voulais juste dire qu'on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré de ce qui a été fait à Lausanne, de Serval et des rapports, pour ensuite faire relativement différemment et avoir des résultats nettement meilleurs. Donc... Mais néanmoins, il faut quand même, c'est grâce à vous qu'on a pu aller très vite et avoir des résultats positifs en se disant non, ça je pense c'est pas une bonne idée, donc faisons un petit peu différemment. Et on a 88% de notices en texte intégral, ce qui est un chiffre, on est peut-être juste derrière Liège, mais c'est quand même pas mal du tout. Je vois que Lausanne, justement, M. Bussy a tout un programme pour ces prochaines années, et je vais continuer à m'inspirer de Lausanne, et notamment pour aller chez mon recteur, et lui dire, attendez, on ne va pas se faire dépasser par Lausanne, quand même. Et ça, je pense que ça va être une motivation extraordinaire pour obtenir, je ne sais pas, peut-être un 10% d'apprentis bibliothécaires pour m'aider à travailler. Ou peut-être plus. Voilà, donc hier... Axel Marion vous a présenté dans son PowerPoint fou la stratégie nationale. Donc là, vous pouvez profiter, elle ne bouge pas ma slide pour l'instant. En deux mots, qu'est-ce que la stratégie nationale? Et tout au fond, donc le plan d'action qui prévoit des actions, hein, qui va bien, ce plan d'action va être, si possible, validé au mois de janvier l'année prochaine. Et le monitoring national, et c'est là justement où je viens sur la question du monitoring. Donc on va devoir faire du monitoring. Alors, on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va le faire. Je voudrais juste donc toucher quelques points là-dessus. Donc, monitoring, il y a deux aspects, il me semble. Un, il y a le monitoring financier, donc savoir combien est-ce qu'on dépense pour aller notamment négocier avec les éditeurs. Et il y a le monitoring purement factuel, qui est le nombre de publications. Combien j'ai de publications en open access sur combien de publications au total. Donc, la question du monitoring financier, alors, soit ils sont couplés, soit on les découple, et c'est la solution, en tout cas qu'à Genève, on va faire, c'est découpler ce monitoring financier du monitoring des publications. Je vous cite le travail de master de Sylvia Meroni, qui a été conduit il y a l'année passée chez nous, justement où je lui ai posé la question, en lui demandant d'évaluer, enfin de me recommander la meilleure façon de faire ce monitoring. Et elle a étudié... la littérature, bien sûr, etc. Mais là, je résume. Donc, elle a regardé, si on fait ça dans l'archive ouverte, comment est-ce qu'il faut faire? Et si l'autre système, c'est d'utiliser la comptabilité générale de l'université pour faire ce monitoring, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Et la réponse, là, elle est tout de suite. Il n'y a pas de question. Hein, c'est la deuxième solution qui est préconisée afin d'éviter d'avoir deux systèmes comptables, si on veut bien, dans la même institution.
Donc là, on a maintenant un certain nombre de mesures qui ont été prises suite à cette conclusion. Notamment, on a introduit des natures de dépenses dans la comptabilité générale qui va nous permettre d'avoir, d'avoir ce reporting en fin d'année sorti de SAP pour savoir combien d'argent on a dépensé pour les publications, dont les publications en open access, chose qu'on est incapable de faire jusqu'à présent. Et pour faciliter et aider les gens à utiliser les bonnes étiquettes comptables et les bonnes natures de dépenses, on va mettre en place un fonds d'aide à la publication. Et si les gens veulent utiliser le fonds d'aide, ben, ils sont obligés d'utiliser les bonnes étiquettes. Voilà, quoi, c'est la carotte et le bâton. Le monitoring des publications. Et c'est là où je suis particulièrement concerné, puisque je suis le repository manager, si on veut, de l'université. Et c'est moi qui dois rendre ces comptes, à quelque part, en fin d'année, ou bien à chaque fois qu'on me les demande. J'ai, en fait, justement, déjà, cette toute première question, qu'est-ce que je vais mesurer ? Alors, forcément, si je veux mesurer l'open access, la réponse, parce que si on me demande quel est le taux d'open access, quelque part, ça ne me sert à rien de mesurer les posters ou les masters de l'université, parce que ce n'est pas quelque chose qui concerne l'open access. Alors, oui, l'accès libre sur le web, etc., mais je n'ai pas besoin de mettre des mesures en place pour changer un modèle de diffusion via des éditeurs. Par contre, c'est différent avec les articles et les livres, et ce n'est pas encore une affirmation, hein, mais c'est ce que je préconise, c'est de se contenter de mesurer les livres et les articles, donc qui est vraiment quelque chose qui existe dans un modèle traditionnel de publication et qu'on doit convertir, transformer et diffuser à travers un nouveau modèle de publication. Donc, et ça concerne, comme par hasard, la grosse majorité des publications de l'institution, comme partout ailleurs, dans ce qu'on a vu dans les autres graphiques. Donc 87% ou 87% des publications à l'Université de Genève. Donc ça, c'est déjà probablement une première décision qu'on va prendre qui va me faciliter la vie. Je regarde où j'en suis. Oui. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est de l'open access ou pas? J'avais prévu éventuellement de faire des choses en live. Et puis, vu comme ça se comportait le système, j'ai aussi prévu la version de secours, qui est déjà avec des copies d'écran. Et là, je vous montre juste des extraits des notices qu'on a dans l'archive ouverte, avec des problèmes qui se posent et auxquels on doit trouver une réponse. Donc là, cette référence... Je dispose de plusieurs versions pour le même article. Donc je dispose, parce que l'auteur a bien fait le travail, il m'a donné un préprint, et une fois que sa publication a été publiée, acceptée par un éditeur, il m'a transmis aussi la version publiée, version of record, que je ne peux pas diffuser librement sur Internet. Donc moi, je fais une seule notice hein, dans l'archive. On pourrait se dire, on fait deux notices, mais la logique, c'est d'en faire une seule, parce que c'est une seule œuvre. Et j'ai les deux PDF qui sont disponibles. C'est de l'open access ou bien pas? Quand je vais faire mon reporting, je vais la compter dans la case open access ou bien je ne vais pas la compter dans la case open access? Pour le moment, officiellement, ce n'est pas de l'open access pour le FNS. Après, pour votre université, c'est quelque chose à définir. Vous étiez d'accord? Ce n'est pas de l'open access. C'est de l'open access. Ah, c'est? Toi, tu as dit non. Non, non. On est d'accord, donc il y a un problème de définition et il va falloir qu'on résolve ce problème. C'est l'open access, mais s'il y a des organismes qui ont focus plus les étroits, ben, on peut rien. Mais ouais. À partir du moment où ça peut être accessible d'une certaine manière et sans payer, c'est l'open access. Ça me paraît être une définition assez bonne. Par extension, je me dis qu'en fait, on est déjà à 100% open access puisqu'on a tout dans SciHub. Marie, on peut s'arrêter? Parce que peut-être ce que vous ne savez pas, c'est qu'en Suisse, l'usage de SciHub est parfaitement légal. Donc, on a le droit d'utiliser des produits piratés tant qu'on ne les diffuse pas. Donc, en fait, on a déjà atteint les objectifs de la stratégie nationale à coût constant, sans
aucune dépense. Axel, il est parti aussi. Ils sont tous partis. T'avais peur de ça ? Ouais. Donc là j'ai un autre cas qui est à peu près similaire, avec à peu près la même réponse. Hein. Donc là, je n'ai pas la version finale de l'éditeur, mais j'ai le post-print auteur, donc ce qui est extrêmement souhaitable. Donc on est vraiment dans du green open access. Sachant que le journal pourrait ou ne pourrait pas, bon, ça c'est un journal d'ACS, American Chemical Society, donc on sait que ce n'est pas de l'open access, mais potentiellement, le journal est en open access et je pourrais aussi avoir la version of record en open access. Ça pourrait être aussi du gold. Voilà. Donc, sachant que dans l'archive ouverte, je peux en fait pas vraiment le savoir. Là, j'ai un cas un petit peu plus. C'est lié aux livres. Hein. Vous n'avez pas aussi mentionné un peu le cas différent des livres. Souvent, nous, ce qu'on demande aux auteurs, enfin à l'université, donc il y a cette obligation de déposer, ils doivent déposer le texte intégral. Et puis forcément, on dit oui, quand vous pouvez, faites ce que vous pouvez. Il est tout à fait acceptable chez nous que l'auteur ne puisse pas déposer tout le PDF de livre, mais on lui demande déposer au moins la page de couverture, l'introduction, la table des matières. C'est déjà ça, quoi. Et là, c'est ce qu'on a. J'ai un extrait dans cette notice en accès libre. Et quand je vais faire la mesure, mon monitoring, celle-ci elle va probablement dire oui, un PDF, il est en accès libre, donc c'est de l'open access. Et en réalité, je n'ai pas l'œuvre complète. Donc, ce n'est pas de l'open access. Problème de monitoring et de mesure. Donc, en fait, j'ai cette dernière version pour montrer que là, pour poser vraiment la question, comment est-ce que je vais devoir mesurer, moi, sachant que je me concentre sur les accès, le niveau d'accès, donc accès libre, accès restreint à la communauté UniGE ou accès fermé, donc que l'auteur, pour autant qu'il a un compte à l'Uni. Ça, c'est ce que j'ai comme mesure actuelle et qui est au niveau de toute la notice. Donc, dans la première notice, je dois choisir qu'est-ce que je mets au niveau de la publication. Et par défaut, je prends le niveau le plus restreint parce qu'on a fait comme ça pour les thèses. Donc, la première notice, en fait, dans mes métadonnées, elle apparaît comme restreinte à l'Université de Genève, même si j'ai un préprint ouvert. Donc, au niveau de la mesure, du monitoring, ça ne va pas le faire parce que, en toute logique, il faudrait qu'on regarde les licences et pas le niveau de diffusion. Et ça, c'est toute une affaire parce qu'il faudrait qu'on réintroduise des licences sur toutes les publications qu'on a. Une autre question que je veux poser, c'est la question de quand est-ce qu'on fait la mesure, à quel moment. Donc, est-ce que je regarde toute l'archive ? Le niveau actuel, j'ai 60 000 notices, donc j'ai 41% qui sont... Ou bien est-ce que je regarde les publications de l'année 2016 et je dis pour 2016, j'ai tel niveau, pour 2017, un niveau un peu faible parce qu'on n'a pas encore toutes les publications. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un embargo ? Est-ce que je considère qu'une publication qui sera libre dans 12 mois, c'est déjà de l'open access, donc ce qui fait gonfler un petit peu mon chiffre. Ou bien je dis non, aujourd'hui, je n'ai pas 100% parce qu'il y a cette publication d'embargo, mais dans 6 mois, elle ne sera plus en embargo, donc je vais monter. Si c'est dans votre dépôt institutionnel et que c'est accessible sur demande à l'auteur, même oui. Même si ce n'est pas ouvert, grand ouvert, et si c'est accessible sur demande et si le texte intégral s'y trouve, ça compte tout de suite. C'est présent, c'est là. Ouais. Donc, je vous remercie de votre réponse. C'est un point de vue. Et il faut qu'on, c'est ça. Voilà. Et il faudra qu'on au niveau national, qu'on s'entende sur ces façons de faire. Pour quand on va mesurer, on mesure tous la même chose pour avoir ce reporting national. Il faut définir de quoi on parle en fait. Hein. C'est ça. Donc, le problème de l'open access, c'est de rendre accessible gratuitement et sans contrainte significative, enfin sans blocage. C'est ça. Donc, si vous pouvez demander et obtenir ce qui est dans. Donc, et c'est l'auteur qui doit dire oui. Alors, si l'auteur dit non, c'est ça. Évidemment que ce n'est pas un accès ouvert. C'est ça. Hein. Et si l'auteur est décédé ? Et si l'auteur est décédé ? C'est ouvert tout de suite, alors. Hein.
70 ans après sa mort. On ferme le cercueil, on ouvre le... C'est ça. Donc, ça tombe dans le domaine public 70 ans après la mort, donc il y a quand même une grosse latence. Et c'est pour ça que le quand, ce que je mesure et qu'est-ce que je mesure, reste quand même pertinent. Mais il faut effectivement qu'on définisse, et là, on a pas mal de travail en termes de définition et de savoir qu'est-ce qu'on mesure. Oui, volontiers. Ce qui vous préoccupe, c'est de savoir, quand vous dites, est-ce que ça compte c'est quand vous voulez faire un inventaire de la production de l'institution. Ce sera justement pour répondre à la directive, à la stratégie nationale où on va demander, chaque année j'imagine on va mesurer, est-ce qu'on est en train d'atteindre petit à petit le 100% qu'on veut en 2024 ouais. Et moi, je suis sur le terrain et je vais devoir faire cette mesure. Alors, et je dis juste, comment est-ce que je vais la faire pour que l'année prochaine, je refasse la même chose, pour qu'il y ait une mesure cohérente. Oui, merci. Alors, là, je ne me souviens plus ce que je voulais vous montrer. Juste peut-être la question des licences, qui est assez compliquée. Actuellement, on n'a jamais demandé dans l'archive ouverte les licences. On a fait un petit peu des essais. J'ai introduit dernièrement. Et je demande aux auteurs d'indiquer quelle est la licence qui s'applique à la publication. Et on voit qu'il y en a quand même beaucoup qui ne savent pas. Et c'est assez compliqué. Et je pense que c'est difficile de demander aux auteurs déjà de faire le dépôt, donner le PDF, puis encore connaître la licence. Alors là, c'est plutôt un plaidoyer, un peu dans le sens de Cécile, d'avoir une aide aux auteurs pour les libérer de ces tâches. Et ça, c'est quelque chose que la bibliothèque peut et doit éventuellement prendre en compte. La question de l'embargo, j'en ai parlé tout à l'heure, de savoir si je considère que c'est déjà de l'open access ou pas encore. Mais voilà. Là, c'est un message pour Marie, ma chef. Donc, tu vois un peu les pourcentages que je demande. C'est presque rien, quoi. C'est de... pour faire le travail, on vient de convenir que c'est la bibliothèque qui doit faire le travail de suivi des licences. Voilà. Donc, nous, à Genève, toutes les publications qui arrivent dans l'archive ouverte sont validées par une équipe de bibliothécaires. Ça prend, on a calculé, entre 5 et 15 minutes. Donc, et pour atteindre le 88% de texte intégral, ces bibliothécaires refusent de valider une notice qui ne dispose pas du texte intégral. C'est la théorie, c'est pour ça qu'on a le petit 12% qui est de différence avec le 100. C'est des personnes très opiniâtres qui écrivent à l'auteur. Dis donc, si vous voulez voir votre publication dans votre page web, il faut me donner le texte intégral. Si vous croisez des collègues là à l'apéritif qui ont l'air vraiment opiniâtres, vous avez rencontré mes collègues validatrices. C'est des personnes opiniâtres. Voilà. Donc, mais par contre, si on doit commencer encore à regarder les licences, ça va rajouter du travail et il faut qu'on trouve le juste milieu entre la qualité et la quantité, si on veut, de travail nécessaire, afin d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà, moi, comme il y a l'apéro...